Bonjour, bonsoir YouTube, deuxième VOD de Neva. Nous sommes en automne, apparemment. Et notre Neva a bien grandi, hein. Ah oui, tiens, d'ailleurs, Neva a grandi, j'avais pas capté. Ah, wow. Ok, ok, c'est un chien fantôme. Alors, Neva me fait beaucoup penser au perso d'une BD. Est-ce que du coup ça va tourner en rond, genre quand elle va être complètement adulte, ou à nouveau se faire attaquer, elle va se faire buter, puis après il va y avoir de nouveau un bébé. C'est terrible hein, de penser à des choses comme ça, mais je me questionne. Ok, rien par là. Ah bah alors. Allez, viens. Oh, ça reste un jeune chien. Il est fougueux. Enfin, elle est fougueuse. Avec ses petites cornes là. Il y a quand même un côté Mononoke de ouf. Dans cet animal, en tout cas. Oh, l'arbre est très corrompu. Tiens. Ouais, mais n'essaye pas de bouffer ce que tu vois par terre, voyons. Allez, viens. On y va. On dirait presque un cerf. Dans le port de tête de l'animal. Qu'est-ce qu'il y a? Oh non, il se barre de nouveau, ça y est. Ah, mais il y a un mob, là. Ah, ça va être des mobs qui ont été butés du coup. Qui se sont recréés en flore. Qui ont refloré le terrain. Oui. Mais il est mort. Je pense que... Devenu vénère hein, Neva un peu. Hein. Ou alors c'est son terrain de chasse. Tout simplement. J'ai pas capté le saut que Neva vient de faire, mais ça avait l'air insane. Ma saison préférée, l'automne d'ailleurs, hein. Sachez-le. La meilleure des saisons. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord, bah écoutez, si je n'ai plus rien à faire. Écoutez, si moi, écoutez, je veux bien juste me déplacer. En plus, c'est agréable dans le jeu, donc... Ça va être quoi le twist? Il y avait un twist. Allez les trois. Aucune limite ici. D'accord, donc Neva se TP en quelque sorte. C'est pour moi, ça va. Hop les. Ah, elle me le tient du coup. Ah, elle me heal en plus! Mais c'est incroyable cet animal! Mais c'est zinzin! Merci beaucoup Neva! Bah j'attends de voir l'hiver ce que ça va donner! Hein, parce que... Si en une saison on est déjà là. Oh! Et son glimouche. C'est marrant, on se fait vraiment le même chemin, mais en automne maintenant quoi. Oh les parvous! Incroyable. Des techniques picturales incroyables. Bon, même les arbres flottants, ils ont l'air bien d'avoir bien repris du poil de la bête. Hein. Oh, ces petits jumps qu'elle nous tape la Neva là. Ah, j'arrive. On peut grimper du coup. Ah bah oui. Nouvelle mécanique. Petite fleur blanche, escalade. Mais Neva, elle se TP genre tout en haut là. C'est une joke. Ah ouais, d'accord. Étonnant animal. Ah, ils sont en train de chiller, hein. Et moi, je les jette dans le vide comme un malpropre, quoi. Neva ? Ah.
Elle fait des sauts mystiques dans le vide. Incre. Ah, je peux passer là, d'accord. J'aimerais bien aller de l'autre côté, en fait. Comment est-ce que je peux, vous croyez? Bien sûr que je peux. Avec mes superbes techniques de double saut, tout ça pour trouver une fleur magique. Oui, j'arrive, j'arrive. Hop, me voilà. Irayam. Ouais, bah ouais, ok. Bah salut du coup. Hein. Oula, pourquoi il y a les trucs derrière qui sont en train de se déchirer les espèces de comètes machin qui sont en train de se détruire toutes seules. Ouais, ça dégage. Encore ? Merci, on y va ? Allez, let's go. Ah, donc après les fights, ouais, elle peut me heal quoi. Amusant. Oh. Oh, c'est les ambiances hein, quand même. Hein. Je peux pas y aller direct, je pense. Oula. Oula là. Oula là. Ah bravo. T'inquiète, j'arrive. T'inquiète, bébou. J'ai l'impression que la nature essaie de nous dire quelque chose. Bah on continue hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise moi? Ah tout va bien, t'inquiète. C'est normal. En quelques spécial, je vois pas mon perso. Les flares sont sympas, mais ça rajoute beaucoup à l'ambiance. Mais du coup, j'ai tendance à merde, un petit peu à perdre le personnage. Oh non, no, j'ai ton beurre. Ah, il disait aussi. Ah elle est de l'autre côté déjà. Eh ben d'accord. Petit câlin là. Allez, petit col. On y va. J'aurais pu me heal hein, mais bon, hein, je dis ça, je dis rien. Heureusement qu'il y a des temples. Oh là, c'est clair, hein, c'est... Ouh. Qu'est-ce qu'ils font là? What? Non, mais c'est vraiment des sans-visages en fait. Un mélange entre des Kodama et des sans-visages. Oui, bah non, mais Neva, doucement quand même. Alors qu'est-ce que tu fais toi? Oui, d'accord. J'ai pas réussi à dodge, je suis une merde. Quoi? Qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a creusé dans le corps. Ah, j'avais déjà pris mon dash. Ça va se barrer. Merde. Je pensais pouvoir le dodge. C'est raté. Hop. Ça dégage. Neva. Ça va, Neva? Oh le bubou. Allez, il est un peu agressif hein, le petit chien. Merci beaucoup. Et merci. Intéressant ce mob. Un peu énervé mais qu'est-ce que c'est? On dirait des structures... pas naturelles. Attends, attends. Excusez-moi, mais...
pas le choix. Ah, il y a un truc avec un trou là. Peut-être une lumière qui va venir ici. C'est très axé balade quand même. Autant il y a beaucoup de fight, autant on se promène beaucoup quand même. Non pas que j'aime pas. En même temps gris c'était pareil. Oui non mais t'inquiète. Je reviens. Au revoir. Bonne soirée. Voilà, t'es là. C'est très agréable de faire ça, dis donc. Oh oui, bien sûr. C'était très stylé. Alors là, c'est là qu'est mon grand problème dans les jeux, c'est que je n'ai pas de patience et que je rush et du coup... Malheureusement là, il faut attendre les phases pour pouvoir avancer. Je pense que j'ai raté un truc du coup avant, parce que je suis parti direct à gauche. Et mon avis... Oula! C'est pas... Deux? Combien? Ok. Un de moins du coup. Oh oui, merci. Bien sûr, bien sûr. Allez! Je sais pas pourquoi ça me réjouit autant, mais... Mais ça me réjouit. Oh. La boule magique. Ça mérite un peu de thé. Incroyable. Je suis content qu'ils aient rajouté une dynamique de combat dans le jeu. En plus, c'est bien géré. Ça va être tout rouge hein, quand même. Il y a toujours un délire avec les couleurs. Ah. D'accord, par là. Hop. D'accord. Oh, le terrain qui est là pour m'aider finalement. Par là-bas, parce que je sais bien que je dois monter, mais là, ah, ça me bloque, d'accord. Dommage. Mais pourquoi elle gueule, Neva? Petite fleur là? Mais attendez, il y avait un autre passage. Il y avait un autre passage, des zoos, hein, mais... Faut que j'aille voir. Parce que... Ah bah non, je pouvais pas, c'était bloqué en haut, d'accord. My bad. My bad, je pensais qu'on pouvait passer. Ok, let's go. Non mais non, pas par là Micheline. C'est pas comment elle s'appelle elle d'ailleurs. C'est marrant que là... le focus soit fait sur le chien finalement. Enfin le chien. Ça passe. Il doit y avoir un autre moyen d'aller là-haut du coup. Ah merde, oui d'accord, ok j'ai compris. Ok ok. Oh c'est amusant. Vu. Ah, scheisse. Oh, j'ai pas la rigueur nécessaire, ni l'envie de faire ça ce soir, tu vois. Et comment j'ai fait avant?
Quand même pas plus con qu'un autre. Alors ça se discute certes, mais... Ah il faut se laisser... faut sauter vers le bas et du coup, voilà, d'accord. Du coup elle se lâche juste. Et je sais que c'était pas le chemin, mais à un moment, moi, il faut que je ramasse mes fleurs, hein. Ça, c'est chien pressé, quoi. Ah. Ah oui, d'accord, tout simplement. Tout simplement. Il y avait quoi par là-bas, du coup? Parce que là-bas, j'étais pas voir. Si ça se trouve, le chemin est juste bouché. Ah oui, forcément, d'accord, il y a deux... Ça aussi, ça rappelle la grille sur pas mal de points. Il faille débloquer plusieurs choses pour débloquer le passage final. Voilà. Ça fait sens. Ça me défonce les yeux, c'est tellement blanc. C'est beau hein, mais bordel. Allez viens. Et hop, Neva va se taper ici. Dans le plus grand des calmes. Ah, oh, stylé. Qu'est-ce qu'ils font du coup Ok, j'ai bien fait de sauter. Bon réflexe. Waouh, 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 ok. Attends, je me gratte le nez. Ok. Nice. Très très stylé. C'est marrant parce que c'est plus un jeu de plateforme finalement. Est-ce que j'arrive à atteindre là-bas? Je pense pas. En même temps, je me dis qu'il y a forcément quelque chose de l'autre côté. Attendez. Ils ont pas mis ça si on peut pas y aller. Bien sûr. À l'aide! Ok. Bien sûr, il y a une flore. Toujours pas compris ce que ça fait, mais c'est pas grave, on y va. Allez, monte. Allez, l'oiseau, madame l'oiseau. Ah, voilà. Oh putain. Ah oui. C'est vrai que ça tape comme ça. Ah non, mais là, ça va être compliqué par contre. Ça va, heureusement qu'ils ont pas trop de vie, les piafs là. Oh, mais non! Sérieusement? Et petit chien qui nous soigne, bien sûr. C'est marrant parce que c'est totalement une philosophie différente par rapport au premier niveau. Le petit chien, il est plus du tout dépendant de nous. Bizarre cette planète quand même. Ok. Alors 4 piafs là, c'est ça? Putain, je me suis pris, je le savais en plus qu'elle allait faire ça. Oh! Merci Neva. Mais non, mais non, mais non, mais non, mais oh non!
Oh, c'est petit. Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Merde! J'ai cru que c'est moi qui lui avais lancé un truc à la gueule, mais je crois que c'est juste Neva qui avait attaqué en fait. Ok. Merci mes bouchins. Je suppose que par là on descend du coup. Oui. Parfait. Pourquoi s'embêter? Pourquoi s'embêter quand on peut aller vite? Bah du coup là-bas ça s'est ouvert. Mais est-ce que ça a ouvert une porte genre? Genre l'endroit où il y avait le point blanc, c'est pas une porte ça? Ah non c'est le jeu. D'accord, j'ai pas le droit de passer. Merci. Ok, activons le totem. Oh, c'est extrêmement stylé. Hein. Je m'en remets pas, hein, c'est vraiment trop classe. Voilà. Donc, j'ai vu bien sûr qu'il y avait le gong en bas. Je voulais d'abord voir si on pouvait aller ailleurs. What? Attends. Ça bouge beaucoup là d'un coup, non? D'accord, en fait, faut profiter du timing du gong. Pas clair. Un truc pas clair. Alors il faut sauter sur la plateforme du milieu, là où il y a les deux points. Mais je peux pas là. Ah mais j'aurais pu ici en fait, d'accord. C'est moi qui étais bête. Vite, vite. Parce que là je peux. Ok. Je l'ai, je crois. Non! Putain, je suis con! Au secours, quoi! Ah oui, c'est trop tard! Ah! Oh, je suis pas très aidé, hein! On n'est pas toujours très aidé ici, hein! Non, mais j'aime bien le bruit du gong, en fait, c'est surtout ça! Et là je comprends pas parce que j'ai pas le temps d'aller aussi haut en fait, aussi vite. Attendez. On tape. Alors je monte là. Je monte là. Allez, maintenant je peux monter là, là. Allez là-bas. Allez. Putain, j'ai pas le temps. Y'a un truc pas clair. Parce que l'idée c'est d'aller tout en haut, soit. Je peux pas retaper dedans donc c'est pas. Oh là là! Alors je monte là, il faut que je monte sur la deuxième partie qui est là. Ensuite ça monte, moi je saute cache. Mais là j'ai pas le temps d'y aller en fait. Je devrais aller. Ah bah non, mais je suis bête en fait. C'est juste moi qui suis con. C'est juste moi qui suis con en fait. C'est rien d'autre. Ok, très bien. Je suis stupide. Mais c'est pas grave, hein, ça arrive à tout le monde. Qu'est-ce qui va se passer là? Il va se passer que je vais sécher mon pouce. Cette manette me fait transpirer le pouce. Est-ce qu'il va y avoir une course poursuite de nouveau, mais en montée cette fois-ci? Oh, c'est beau. Mamma mia! Oh! Bonjour.
Oula! C'est pas bon signe ça. Ah! C'est-à-dire? Vite, vite! Allez, on grimpe. Allez, allez, on pousse sur les bras. Eh bien, je fais ce que je peux, Micheline. Putain, j'ai cru que j'avais sauté trop tôt et que c'était fini. C'en était fini de mes aventures. Bah, du coup, je pense qu'il faut que je saute en face. Ok. Par là. Very well. Ah putain, oui, d'accord. Ouais, je pense que je suis HS. Non, j'ai raté mon coup. Au secours, au secours. Bah, heureusement qu'il m'attend le truc. Hein. Le jeu, il est gentil. Hein. La corruption, elle a tendance à ralentir quand elle s'approche de toi. Ouais, merde alors. Et qu'essaye de nous dire ce jeu, vous croyez? Est-ce que vous croyez qu'il y a un message écologique là derrière? Wow, wow, wow! D'accord. Mais encore. Ah, c'était la partie 1 d'automne qui s'est terminée, d'accord. Covid, ça, hein. On reconnaît. Ah oui, c'est chaotique. On n'y voit plus rien, dis donc. Je vois la fleur, hein. Je la vois. Hein. Putain, mais je joue dans le brouillard. Ouf, le chien. Hop, la fleur. Alors, je pense que j'en ai déjà raté une ou deux, mais c'est pas grave. On va faire avec. Ah, c'est The Mist un peu, c'est les ambiances. Les ambiances qu'on... C'est quoi ça? C'est rien. Les ambiances qu'on apprécie que moyennement. Aïe aïe aïe. Les petites boules noires qui commencent à flotter dans les airs. Oh non, les sanglimoutes. Ils ont l'air corrompus. Ouais, paye ton boss de fin, on va avoir un sanglimout. Hein. Ah non mais... Oh, c'est dégueulasse mon bon monsieur. Laisse-le, il est décédé. Je ne vois rien. J'ai comme l'intuition que c'est fait exprès, mais... Attends, on va lui faire un câlin. Tout va bien. Je vois l'autre derrière, là-bas, qui se meut dans la brume, là. Tous les zinzins qui sont de retour, là. Et son visage fatigué là. Ah, le gros sanglier au-dessus. Oh my god, c'est tellement stylé. C'est extrêmement stylé hein. Les sangliers d'ailleurs. Sont... Oh non. Oh, bah oui. Corrupted. Il a pas son permis sanglier. On y va? Oh, ça va bébé, tout va bien.
Ok, doudou. Ok, doudou. Oh là, tellement stylé. Je m'en vais pas, hein, je suis désolé, hein, je vais passer. Oh, bonjour, tiens. J'espère que tu vas pas canner aussi. Hein. Tout le coup, ça va être le boss de fin. Il va être corrompu. Ah oui, ça fait une plateforme marrant, ça. Un peu dégueulasse, mais marrant. Mais... Ah, par contre, ça me blesse. Il me met des dégâts, les cons. C'est la première fois que je vois une plateforme qui me met des dégâts. Enfin, la première fois, non. Mais... Oui, on sait, on sait. On se sait. Là, je tape plus fort maintenant aussi, d'ailleurs. Ah, c'est peut-être aussi parce que c'est des... des mobs un peu plus faibles vu qu'ils se traînent par terre. Non, on ne touche pas aux sangliers. Non. C'est non. Je le protège. Je protège le sanglier. Oh, c'est quoi ça? Des papillons de lumière? Mais pas vraiment. Bizarre l'ambiance. Oh, c'est cotonneux, hein. Est-ce que c'est ça qu'on appelle la cotonnalée? Oh, ils sont nombreux, là. Vous avez pas tous me tomber sur... On dirait des singes aussi, un peu. C'est marrant. J'ai cru qu'ils allaient me sauter sur la gueule, mais... Il n'en fut rien. Attends, attends. Je peux le fumer, lui, là-haut, ou pas? Non, clairement pas. Ah, ça ouvre les trois. Marrant. Attends, attends, il faut que je les fume, là. Je sais pas si ça sert à quelque chose de buter tous les ennemis. Je me dis que lui était là, que j'étais obligé de prendre la plateforme pour le buter, donc je me dis que ça peut être apporté quelque chose en fait. Je me demande si on reste à 3 PV aussi pendant toute l'aventure. Bonsoir. Oh, oh stylé, oh c'est beau. Ah c'est beau. Niveau d'ADA c'est insane, hein. C'est incroyable. Oh, c'est un truc de fou ça, hein. Oh non, pas les oiseaux. Et donc en fait ils font rien, il faut juste attendre que... Il y a les cordyceps qui leur sautent du fiac là et puis... Merci Bébou. Oh là là, c'est classe, mon dieu. Ouais ouais. Ouais ouais ouais. Du design dont on ne peut douter. Bizarre les arbres dans cette région. Ah bah salut hein.
Me semble qu'il y a Neva avec moi. Hop allez. Ah oui, forcément. Forcément, le sanglimoute. Aïe. Et... Allô. Mais attendez, attendez, parce que moi j'aimerais bien savoir comment dodge le bestiau là. Ok, comme ça. Le sanglimoute. Désolé sanglimoute. Belle vie à toi. Je suis là avec vous, je suis là. Mais... Fous de ma gueule, je te fais un câlin, tu te casses. Qu'est-ce que c'est ça? Comment je peux... Neva? Un peu d'aide? RB. Oui d'accord, ah je peux lancer Neva. Ah mais du coup c'est peut-être Neva qui va pouvoir aller choper les papillons en haut. Oh attends. Est-ce qu'on peut le faire RB 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 right button. Ah oui d'accord, oui en effet. Yetai. Bon, Neva. Oh, Bébou. Moi, tout va bien, Bébou, c'est pas grave. C'est le cycle de la vie. Pardon? Ah, d'accord. On peut faire ça. Stylé. C'est bien, Bébou. Non, mais c'était peut-être quand même moi qui le lançais, hein, qui l'a lancé vers des ennemis avant l'heure, du coup. Ok. Ah, il y a moyen de faire des petits jonglages sympas. Hein. Ah, mais du coup, oui, forcément. On va pouvoir utiliser Bébou. Un chou. Un gros chou. Donc. Adios. Lui il était en train d'escalader tranquillou comme ça. Et du coup je peux envoyer Neva au combat quoi. Stylax hein. Et bruit. J'ai envoyé Neva dans le ciel. Des os. Ah merde, j'aurais dû... J'aurais dû la faire attaquer l'autre là parce que... Il y a Jean-Michel qui va prendre possession du pigeon là. Je m'ai fait toucher par le pigeon. Ok. On y voit goutte là-dedans.
C'est-à-dire. Ah putain, oui, d'accord. Ah ouais, c'est. Oui, il commence à. Va falloir jongler avec les touches tout doucement là. Putain. Je suis à rien. Je me demande même si au niveau timing d'ouverture des plantes, c'est suffisant. On va le voir tout de suite. Non ! Excusez-moi. J'étais à R. J'étais à rien. À rien. Non mais... Ah ! En fait, quand on tombe, ça, c'est considéré comme un saut. Est-ce que je peux réactiver le truc alors qu'il est déjà activé ? Pour allonger sa durée, genre. Non mais... Ah oui, on peut le réactiver. Ok, d'accord, bah c'est free alors. C'est free. C'est gratos. Ça me va. C'est bon. On l'a. Enfin, du coup, il n'y a aucune urgence. On peut le réactiver à la chaîne si on a envie. Non, non, mais non, mais non, mais je suis un idiot, mais c'est incroyable. J'ai plus aucun contrôle de mes mouvements, c'est Parkinson. Tout ça pour une fleur qui sert à on ne sait pas quoi. Peut-être pour la vraie fin du jeu, en fait. On sait pas. Hein. Ok, alors on y est. Très bien, let's go. Justement, ça me... à me mélanger les pinceaux quand il commençait à avoir beaucoup de boutons comme ça. Ça va aller, hein. On s'en sort. On n'est pas tout jeune, mais on n'est pas si vieux, quoi. Ah mais... Je croyais qu'il y avait du sol. Désolé. Défonce les Neva. He's ok. He's ok. Et du coup, on peut l'envoyer comme ça dans le néant. Très bien. Petite scène de combat là. Bien sûr. Oh, Marie. Oui, d'accord. Oui, il a je... Neva, Neva donc. Ah mais... Mais vous venez d'où vous? Non mais non, pas par là. Non mais... Ok. Is ok. Alors j'ai pris quelques petits coups quand même. Ça va Bébou? Merci Bébou. My... On s'est refleuri le sanglimout. Il y a d'autres loups. Bah alors il y a de l'écho. Fleuris-moi le sanglimout. Je suis un con. Tout ce que j'ai à dire. Ok, faut... Mais putain de merde! Oh, les sauts pixels là! J'ai
fois que j'ai l'impression que ça passe, ça ne passe jamais. Hop. C'est non. Il y a taille. Ok. En fait, j'ai un peu de mal par endroit à définir où s'arrête la plateforme. Non mais qu'est-ce que je fais? C'est pas ça que je voulais faire. Je voulais dasher. Oh, voilà. Et voilà. Tomber dans le violet. Fall in the purple. Oh, un gros chou. Oh, des choux géants. Maillé. Ah! Comment? C'est des potes? C'est-à-dire. Ok, d'accord. Ok. Oh putain, ah oui, d'accord, il y a des cerfs qui sortent du sol. Pas des cerfs, des. Des bois. Waouh, ouais, c'est. Bah non, j'ai dashé dans le mauvais sens. Ah, quand on est con, hein. J'en ai deux maintenant. Un deuxième là. Oui. Ah, mais Neva, à l'aide. Putain, j'ai plus de points. Super. Oh, sérieux? Ça, c'est facile. Ok. Merde. Bon, écoutez. Ok, un de moins. Deux de moins? Oh là là! En synchro. Oh, c'est pas beau. Oh oui oui. Eh ben let's go. Ah, ça c'est toujours aussi stylé, hein. Y a pas à chier, hein. C'est une dinguerie. Oh non. Oh non, c'est beau. C'était si beau. Ah bah je veux continuer. Je veux continuer. Ok, donc on a fini l'automne du coup. Bon bah YouTube, incroyable le jeu. Hein. Bah à la prochaine pour l'hiver je suppose. Ça va être bien l'hiver. Des bisous, prenez soin de vous, abonnez-vous et à tout de suite pour l'hiver.